J'espère que les cours de rattrapage de réviseur se déroulent bien. Tu gros attends. Kyopaimon, aidez-moi à l'arrêter. Tu m'as fait peur? Pourquoi êtes-vous si pressé? Sucrose et moi, nous avons décidé de vous remettre l'ingrédient du vin ensemble, mais elle n'a pas voulu rester après avoir entendu que Razor venait. Je ne suis pas là pour communiquer avec les inconnus. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir remettre l'ingrédient. Elle est trop mignonne. Pas question de te laisser faire. Cet ingrédient est le fruit de notre collaboration. Nous allons être là ensemble. Je ne peux pas attribuer tout le mérite. Ce n'est pas une histoire de mérite. L'ingrédient de l'air de Favonius serait un produit issu de la bio-alchimie. C'est une pomme crépusculaire quadrisucrée. Du coup, avec 4 fois plus de sucre, une pomme crépusculaire ordinaire n'est pas assez sucrée? On aurait dû commencer l'histoire depuis le début. J'aime bien la senteur du vin, alors je me suis renseignée sur sa fabrication, avant de mener quelques expériences. Elles ont conclu qu'une matière première sucrée était obligatoire. Pour sélectionner la plus adéquate, j'ai rassemblé un échantillon de toutes les plantes et de tous les fruits sucrés des environs de Mondstadt. Je les ai goûtés les uns à la suite des autres pour dresser une liste. Yes. Il y a eu beaucoup de travail, en effet. Non. Mon perso préféré, c'est Ayaka. Et vous, dites-moi. J'ai perdu mon tout premier 50-50, je suis pas confiant pour la suite connaissant votre fille avec les gachas. Oh, t'inquiète, Atouya, tout va bien se passer. Non, moi non plus, j'ai pas du tout de chance sur Genshin, je galère un peu. Enfin, en vrai, ma chance s'est équilibrée. Au début, j'ai eu très peu de chance, puis après, j'ai eu beaucoup plus de chance, et là, ça retombe. Donc mon quota de chance est moyen, je dirais. Pas terrible. On ira voir Marjorie plus tard pour le matériel. Continue ton histoire. Très bien, en tout cas, ils nous ont fait un très bel ingrédient pour notre vin. C'est parfait, nous sommes ravis de revoir cette incroyable sucrose d'une mignonnesse absolue et cette douce Noël d'une mignonnesse absolue également. Et voilà. On me demandait d'être plus sociable. Oh. Bah voilà, Razor, tiens, quand on parle du loup. Désolée, en retard encore. Mon professeur oublie tout le temps, il parle beaucoup. Elle s'est cachée, sucreuse. Elle est partie. Elle s'est enfuie au moment où Razor est arrivé. Bah super, c'est du joli ça. Tu penses quoi de Kazuha des PS? Pourquoi pas? C'est pas un personnage que je joue, mais pourquoi pas? Elles sont trop cute, c'est clair. Quand on gagne un 50-50, la suivante est un 50-50 aussi. Donc quand tu gagnes ton 50-50, tu reviens à 0 de pitié. Quand tu gagnes ton 50-50, donc quand tu as le personnage de la bannière temporaire sur laquelle tu poules, tu repasses à 0 de pitié. Donc le prochain 5 étoiles que tu auras, tu es en 50-50. Elle a le béguin pour lui ou... Coucou Kitsune, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. L'alchimiste voulait également le dire. Fais ce qu'il te plaît. Merci vous tous. La prochaine fois, je dis merci quand elle a du temps libre. Compte sur moi. J'essaierai de la convaincre d'être moins occupée et je te présenterai à elle d'être moins occupée. On a tous les ingrédients. Let's go. Comment vas-tu, Kitsune? Si jamais il y en a parmi vous qui veulent soutenir gratuitement la chaîne, n'hésitez pas à télécharger World of Warships en passant par mon lien. Nous sommes en ce moment sponsorisés par ce jeu. Et vous pourrez participer à notre giveaway dès qu'on atteint les 20 joueurs. Il y aura 15 euros à gagner, soit 3 faveurs ou 3 fois 5 euros PayPal. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui veulent donner un coup de main. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez des chances supplémentaires de gagner le giveaway d'ailleurs si vous amenez des amis, des proches, etc. sur le jeu. Si vous avez des frères et sœurs également, vous téléchargez le jeu sur votre ordi et puis vous le faites jouer, vous lui faites créer un compte en passant par mon lien avec son adresse mail perso et vous pouvez le faire jouer sur votre compte, comme ça, ça vous évite d'avoir à le télécharger plusieurs fois alors que vous êtes sous le même toit. Merci pour le follow Kitsune, bienvenue à tous. Nandris. Chevalier honoraire Razor ici, venez marquer, venue, on a la douce Diona. Je croyais qu'elle était en... Le greu, les traits. Je croyais qu'elle était en congé parce qu'elle était triste pendant ce festival. Ça me rend folle. Non. Qu'est pas ça. Il m'a tout raconté, c'est à cause de vous que Razor... Enfin, qu'un ami de mon père et honorable jeune homme s'intéresse au vin. Non, la petite Diana d'amour. Tu ne dois surtout pas devenir comme ces vieux ivrognes affalés sur les tables de bar qui passent leur temps à pleurer et à déblatérer des bêtises.
Je ne comprends pas. Je crois qu'il y a un malentendu. Que lui as-tu dit, Clé? J'ai dit à Diana que Rizor cherchait sa maman et que le chevalier honoraire l'aidait. Puis qu'il voulait son aide parce qu'il était triste et avait besoin de vin. Je n'avais pas fini de parler, mais Diana m'a interrompu. Clé pas un mot de plus. C'est mon affaire maintenant. Puis nous sommes venus ici ensemble. Eh bien, il s'agit d'un malentendu, c'est clair. Mais oui, elles sont trop choues, bien sûr. Bien évidemment, bien évidemment. Vous voulez dire que Rizor veut connaître le passé de ses parents grâce au vin qu'ils ont fabriqué? Vous mentez, c'est ça? Non. Non, non, non. Ce n'est pas leur genre, dis donc. Mais non, pas du tout. Enfin. Désolée, Diana, c'est ma faute. Je ne t'ai rien raconté. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu peux aider Rizor à fabriquer son vin? Je réparerai des boissons. Des poissons pour qu'on les mange ensemble. Et tu peux caresser la tête de Dodoko aussi. Je ne suis pas vraiment en colère. Je sais que tu voulais les aider, Clem. Je ne voulais pas que Rizor prenne une mauvaise direction dans la vie. J'ai aussi un peu ma voix, mais puisque vous ne buvez pas le vin, je pense que je peux vous aider. Je vous préviens qu'un métier consiste à mélanger des boissons, pas les fabriquer. Je ne sais pas vraiment ce que ça donnera en travaillant des matières premières. Tout va bien se passer, t'inquiète, Diana. Avec l'aide de Diana, la réussite est assurée. Vous avez vraiment flatté les gens, faites-moi confiance pour la suite. Tintintin, elle fait le mélange dans le gigatonneau. Ça y est, c'est un jeu d'enfant, que c'est beau. Ensuite, on va chercher un endroit où le stocker. Vivement que le vent s'élève à nouveau. Je suppose qu'on doit le mettre dans un endroit avec du vent et qu'on doit attendre un an. M'enlever, le vent est fort là-bas. Let's go. Je surveille mon idiot père, alors on jouera ensemble une prochaine fois. Oh, trop chaud. Allons avant lever donc. Hop là, un petit épée s'impose, moi je dis. Ok, let's go. Quelle coïncidence de voir ici, bien évidemment. Que veux-tu là, barre de pas copie? J'étais réveillée par une très bonne odeur dans l'air. J'ai suivi l'arôme sucrée et fruitée. Cela m'a menée ici. Super. Les fruits sont très sucrés, je peux aussi le sentir. Il y a d'autres raisons qui expliquent ta venue, non? Le potivin. Je me suis souvenu d'un élément très important. Avant de sceller et d'enfouir cette tonneau de vin dans le sol, il faut faire une autre chose. Il nous manque une dernière étape. Tu te souviens du goût de la demi-bouteille de vin 2020? C'est un peu amer, non? Oui. Son amertume vient de ça. Des graines de pissenlit? Vous connaissez le vin de Dandelion, pas vrai? Les monsadas pensent que le vin peut ramener des âmes et préserver les souvenirs. Les graines de pissenlit sont comme des pierres précieuses vivantes. Elles naissent à la suite de la première brise de l'année. En les ajoutant dans le tonneau, c'est comme si on capturait le vin à l'instant présent dedans. De ce fait, le vin en conserve le souvenir, et ce, pour l'éternité. Par conséquent, le vin des mille vents est l'ancêtre du vin de Dandelion. Stylé! C'est magnifique, notre histoire sera conservée dans le vin. En ce qui concerne le goût qui varie, c'est tout simplement parce que les gens ont la liberté d'y mettre les ingrédients qu'ils veulent. Ça va, Rizor, à quoi penses-tu? Dans le vin de mes parents, je ne connais pas autre ingrédient sauf graines de pissenlit. Mon vin contient sentiments de mes amis. Pas comprendre mes parents, mais tout le monde semble ensemble avec moi. Oh. Tout le monde fait beaucoup pour moi. Marca, mon professeur, Clee, Bennett, oncle Chabrin, ma sœur adulte froide, l'adulte avec un sourire faux. La fille grise et forte, la personne avec odeur de papillon cristallin à Nemo, la fille dont j'adore. Mar de verre, Paimon, voyageur, tout le monde. Vin difficile à fabriquer, sans vous impossible à faire. Moi, oh, c'est mignon, il est très heureux. On a pu t'aider, Razor, tout le monde est content. Mes amis sont aussi mon loupical. Oh, c'est mignon. Moi, il m'a un loup, peu importe, nous tous ensemble maintenant. Comme ma grande, nourrir ses tonneaux ensemble. Quelle belle parole. Mais ma part comme moi n'a rien à ajouter. Il suffit d'enfouir ce tonneau de vin et d'attendre avec patience. Ta ta ta. Les surnoms sont adorables, c'est clair. L'aventure de cette fois touche à sa fin. C'est l'heure de faire la fête maintenant. Demain, le jour venteux, si je ne me trompe pas. L'argent Nemo va rentrer. Tu me rappelles que je n'ai pas encore mémorisé la chanson pour la cérémonie de la trinquée. Je dois rentrer me préparer. À demain, les amis. Dormez bien ce soir et laissez la brise fraîche réveiller vos oreilles pour venir écouter les meilleurs bars du monde chanter. Je n'en doute pas. On va voir Barbara aussi. Attendons le lendemain, 10h-14h. Let's go. Eh
Allons-y vite pour ne... Oh oui, c'est un jour très venteux, en effet. On n'est pas raté la cérémonie de la trinquée, let's go. On doit aller où? Le lieu du festival. Ok, le lieu du festival. Comme il y avait Barbara qui devait danser, chanter et tout, je pensais... Enfin, chanter. Je pensais qu'il fallait aller à la cathédrale, mais non. On fonce, on fonce. Bernard est impliqué dans la quête comme neuf. Oh non! Zut! Alors, qu'est-ce que c'est que cette quête comme neuf? What is that? Pas tout à fait ce que je voulais faire. Kezako. Un personnage est impliqué dans une autre quête. J'ai trop de quêtes, ok? Après que vous participiez à l'événement des paniers d'abondance. Bon, on va faire ça alors, j'ai compris. Allons faire les paniers d'abondance. Bien, Bernard, dis-nous tout, Bernard. Alors, voyageurs, Paimon, vous êtes là. J'ai entendu dire que vous aviez participé à la chasse au panier d'abondance. C'était amusant. Effectivement, certaines personnes aiment préparer ce genre de cadeaux. Puisque nous tenons une boutique de snacks, pourquoi ne pas mettre des décorations ici? Une boutique bien décorée permettrait d'attirer plus de clients, c'est vrai. Les gens seront très heureux de voir que leurs cadeaux ont été utilisés pour décorer la boutique du voyageur. C'est une très bonne idée. Décorons notre boutique. Trop chou! Ok, let's go! Pendant le Boutiquorama. Ah, trop sympa, j'adore l'idée. C'est génial. Du coup, là, on peut commencer le festival. Let's go. Il y a du monde ici. Ils veulent tous être présents pour accueillir l'archant Nemo, mais ils pouvaient se rassembler ailleurs que devant le stand du cadeau de l'ange. La tradition veut que pendant le Wenle Fest, le vin ne puisse être vendu qu'après avoir été consacré à l'archant Nemo au cours de la cérémonie de la trinquée. Tout le monde fait la queue pour le grand moment. La queue de l'archant Nemo n'est qu'une formalité pour ces gens. Les avez-vous ici pour voir Razor? Je m'inquiétais pour lui, il m'a raconté tout à l'heure qu'il s'est amusé lors de la fabrication du vin. Je peux boire un verre tranquille aujourd'hui. Razor et ses amis sont là-bas, allez les voir. Quoi donc, ta vie, Caféine? Pourquoi il y a autant de bouteilles ici? Votre enceinte devant? On les a préparées pour Razor. Maman a dit qu'aujourd'hui, on accueille l'archant Nemo pour l'inviter à boire. Si l'archant Nemo aime le vin, il se transformera en vin qui bénira tout le monde. On veut faire plaisir à l'archant Nemo pour qu'il aide Razor. Regarde ce qu'Albedo m'a donné. Mes amis m'ont confié cette bouteille. Heureusement qu'elle ne s'est pas brisée sur le chemin. Je la rapporterai après quand on aura fini avec moi. Maman dit que l'archant Nemo tient bien l'alcool. Il peut boire toute l'eau dans le lac de cidre s'il veut. Moi. Cette bouteille et le vin des parents de Razor, ça suffit? Barre de verre. Bonjour à tous, je suis très honorée d'avoir été invitée par la grande maîtresse suppléante Jean pour interpréter 20 des 1000 vents devant vous aujourd'hui. Je vous fais cadeau de ma meilleure mélodie que je dédie aussi au vent. Tintintin. Fais-nous rêver, Venti, fais-nous rêver. Ah, les quêtes qui se chevauchent, j'avoue, c'est trop chiant. Remplis à ras bord sur les tonneaux, vivement que le vent se lève à nouveau. De cire, les goulots des bouteilles sont cachetés. Le vent du sud chaud, celui du nord est déchaîné. Quelle est sa saveur, demandez-vous? Tout ce que mon salle inspire, le rêve de la liberté. Quels sont les secrets de son goût? Le courage d'explorer, la tendresse d'une âme dévouée. La volonté d'un protecteur immuable dans le temps. Tout ça accompagne la bénédiction des mille vents. L'acidité laisse place à la douceur dans le rigotonneau. Vivement que le vent se lève à nouveau. C'est clairement l'histoire du voyageur et de Razor. Qu'y a-t-il dans les tonneaux? De l'or liquide, que c'est beau. Le tonneau est ouvert. Qu'y a-t-il dans l'air? Le son du carillon qui résonne dans le ciel clair. Nous chantons en buvant ce vin, vivement que le vent se lève demain. Que ferons-nous quand les mille vents seront partis? Nous écouterons l'histoire jouée par la lyre et aurons un doux rêve de cette nuit. Tintintin. Il est temps d'ouvrir les bouteilles. À l'archant Nemo. Let's go. Lâche pas les études, bah je viens de terminer mes études MTB. Je viens de les terminer. Il faut pas être triste. Comment est-ce possible? Razor, l'archant Nemo, n'est pas revenu. Il n'aime pas le vin qu'on a préparé, c'est ça? Je ne pense pas que ce soit ça. Jamais de la vie, Clem. Tu sais que l'archant Nemo peut non seulement devenir le vent, mais aussi prendre d'autres formes. Si ça se trouve, il est revenu sous une apparence différente cette année. Je pense qu'il s'est transformé en bombe rebondissante? Je ne pense pas. En bombe rebondissante, vous nous entendez? Razor, est-ce que l'archant Nemo t'a apporté sa bénédiction? Oui. J'ai parlé beaucoup à vous, j'ai appris aussi beaucoup. Maintenant, plus peur, c'est sa bénédiction. N'oubliez pas de me garder un verre si ton mari réussit. Let's go!
Ta-ta-ta! Le jeu de fruits du festival du stand du Cadeau de l'Ange était délicieux. Bon. J'ai fait des études de graphisme, MTB. Mais pourquoi cette petite entrée en matière? Elle est trop mignonne. L'argent arrive, trop chaud. Oh non, j'ai disparu avec le vent. Le vent a emporté ma cam, je suis flou. J'arrange ça. Trop chaud. Au pire moment, je deviens flou. Super. Je ne peux pas profiter de cette douce cinématique. Je suis net de nouveau. Promets-moi que tu vivras. Si, si, que tu dois rester. Car tu es notre seul espoir. Pardonne-moi, Kaya. C'est fini? Bon, je crois que c'est la cinématique de fin, ouais. Mais après, il nous reste... encore les petites quêtes de l'event à faire. Bien, très bien, c'est mon garçon. Je serai toujours fière de toi. Après tout le temps qu'on a passé dessus, le vin n'est toujours pas prêt. Attends, laisse ça à notre fils. Reza, que penses-tu de ce nom? Un vrai nom d'aventurier. Oh... trop chaud. Trop mignon. C'est absolument adorable. Coucou la vague, comment vas-tu? Merci pour ta lurk, mais merci infiniment à tous pour votre lurk, pour votre soutien, pour ceux qui papotent. Pour ceux qui participent à l'Open Sponsor, merci beaucoup, vous êtes des amours. On a terminé, trop chou. C'était absolument adorable. Bah, du coup, la dernière étape, au final, c'était la plus courte de l'event. La plus mignonne, la plus sympa et la plus courte de l'event. Finalement, on a tout terminé. On a récupéré nos récompenses, nickel. Il ne reste plus qu'à faire les petits détails de l'event. Bah tiens, on va terminer cette étape-là. Enfin, terminer. On va faire la deuxième étape, c'est-à-dire aller taper d'autres monstres. C'est pas très loin, hop là. Et ensuite, il faudra qu'on aille chercher encore des petits souvenirs déposés par les habitants de Mondstadt. Hop, trop bien. On a récupéré des jolies armes 4 étoiles, un bel artefact 4 étoiles. Ça me fait rêver. Cela me fait rêver. Enfin, soit c'est un artefact, soit c'est un matériau... Ça doit être des matériaux de raffinement plutôt. Plutôt que des artefacts. Ok, let's go. Bienvenue en tout cas au passage à toutes les petites primeuses qui débarquent sur la live. N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, si éventuellement vous avez des animaux, tout ça. Dites-nous tout, on veut tout savoir. En tout cas, s'il y en a qui veulent nous soutenir de façon gratuite, nous sommes en ce moment sponsorisés par World of Warships, qui est un jeu de bataille navale. Vous pouvez nous soutenir de façon tout à fait gratuite, ça vous prend juste un petit peu de temps et moi ça m'aide énormément. N'hésitez pas du coup à télécharger le jeu en passant par mon lien. Il suffit de faire la commande point d'exclamation wow dans le chat. Et faites-le plutôt quand vous dormez, comme ça, ça vous empêche pas d'utiliser votre ordinateur. Et puis ensuite, vous avez un petit tuto à faire de 5 à 10 minutes. Et puis vous pouvez acheter votre premier navire avec l'argent du jeu. Ce qui est gratuit toujours. Et ça complétera le petit Shift Goal qui est là-haut. Si on arrive à atteindre les 20 nouveaux joueurs, d'ici il reste encore 4 jours je dirais. D'ici 4 jours, eh bien je veux sauter. Eh bien vous pourrez participer à un giveaway. On fera un giveaway de 15€, soit 3 x 5 faveurs, soit 3 x 5 euros PayPal en fonction de vos petites préférences. C'est vous qui choisirez. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne. Hop là. Comment ça va? Depuis longtemps, je suis pas venue à chaque fois t'avoir ma place directe. Merci beaucoup, c'est adorable la vague. Déjà fait pour un streamer, ah bah super.
Tant pis pour moi, tant pis pour moi. Après, je pense que ça fonctionne si, si tu re-télécharges le jeu et que tu utilises... Que tu utilises une autre adresse mail, I think. Mais c'est chiant de devoir re-télécharger le jeu. Je comprends. Je comprends. Let's go. Je veux sauter plus haut. On va se rapprocher. J'ai sauté trop haut. Non. J'arrive. Ouais. Non. Faut que j'apprenne à viser. Tout va bien se passer. Let's go. Nickel. Au suivant. Première fois que je dois finir... Je dois finir un event aussitôt? Non, c'est pas vrai, Salmoki. Okay. Au début du jeu, je l'ai terminé dans la minute. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'étais grave en retard. C'est vrai. Let's go! Et voilà pour nos beaux yeux. Attendez, je veux les petits bonus. T'attaques dans une semaine, let's go. L'event c'est sympa, ouais c'est cool, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur Aizor, mais je l'ai trouvé un petit peu long la quête. En fait, j'ai trouvé ça un peu long, la recherche de tous les ingrédients pour le vin. J'ai beaucoup aimé la fin, qui était très chouette, mais la recherche des ingrédients pour le vin un peu longue. Un peu... Il y a toujours des dialogues un peu inutiles, alors pour ceux qui aiment bien... voir les personnages se disputer et tout, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça peut être un peu long. J'ai l'impression que ouais, tout ça pour une cinématique, ouais, c'est un peu ça, hein, même si elle était belle, bah ouais. C'est un peu genre bon... Il faut donner un peu de matière quand même pour faire genre on a bien travaillé. Alors oui, du coup, ils ont bien travaillé autour de dialogue, etc. Mais c'est pas forcément nécessaire, quoi. Est-ce que j'ai pas été dans la bonne direction? Et on est à la bonne direction. Ça fait un peu meublage. Me voilà. Je prends ça. Je prends également ça. Et également ceci. Non, non, non. Au suivant. Hop là. Après, on va aller décorer notre petite boutique, tiens. J'ai envie de tester ça. Non, j'ai pas monté assez haut, attendez. On va passer plus de temps là-dedans, on va monter le plus haut possible et on y retourne. Mais ouais, après on va pouvoir décorer notre petite boutique et ça c'est chouette. Ça fait plaisir. Hop là. Collecter les animoculus sublimes. Nickel. Tu
Nickel, et le petit boss? J'ai des constellations sur Ayaka, tout à fait. Je sais plus combien j'ai de constellations sur elle, mais j'en ai. Tout à fait, tout à fait. C'est ma petite main. Et je l'aime d'amour. En plus, son arme, ça doit taper. Ça tape. Je te confirme, je te confirme. Je l'ai ces trois. Voilà, mes viewers savent mieux que moi. Enfin, mes viewers, mes modos, attention. Pas n'importe qui, mes modos et mes VIP savent mieux que moi ce que j'ai comme perso. Ce que j'ai comme constellation, c'est assez honteux. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. J'ai le dernier boost. Je me suis fail, mais j'ai quand même eu le dernier boost et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop là. Tu concentres sur le gameplay de qualité, tu peux pas tout faire. Bah oui, bien sûr. Bien évidemment. Un gameplay de qualité. La 3.1, c'est sympa. Le désert est sympa, ouais, on est d'accord. Hein. On est d'accord. J'aime beaucoup, je suis assez étonnée de voir des petites. On voyait ça hier, en fonction du temps qu'il fait, en fonction de l'heure, etc., de la journée. Il y a des jolies nuances de violet dans le désert, très joli. C'est très joli. Pourquoi je peux pas décorer la boutique? Si je réessaie. Ah, décorons la boutique. Ah oh oui, je l'avais en bleu. Ouais, j'adore. Ok, une petite devanture, trop choupie avec les petites oreilles de chat, là j'adore. Des petits accessoires. Je veux tout mettre. Ah non, faut que je choisisse. Soit les guirlandes. Attendez, on a plusieurs ornements. Ah, ok, ça fait un peu too much, je dirais. Donc peut-être pas ça. Ah mais j'ai pas le choix, de toute façon j'ai que ça en choix. Et là, soit les guirlandes, soit ça. Les guirlandes, en vrai c'est chouette les guirlandes. Les guirlandes c'est sympa, c'est festif. Let's go. Tout est parti. Nanana. Et voilà pour notre petite déco. On en a d'autres à aller chercher, moi je dis. Pour avoir un joli petit stand. J'adore. Trop mignon. Absolument adorable. Détail de l'événement. Donc ça, on va pouvoir récupérer notre petite récompense. Ça fait plaisir. Et on va aller chercher d'autres petits cadeaux que les petits villageois, etc. nous ont donnés. Hop là, parfait. On aura la dernière étape à faire. Et ici, le petit boutique-orama. Décoré. Votre boutique, collectez 9 composants de boutique, collectez tous les composants de boutique, trop choupi. Allons chercher d'autres bénédictions fécondes donc. Mettez-vous en route. Alors ça, je sais pas où c'est, j'aimerais bien savoir tout ça. Ça aussi, j'ai pas trouvé. Alors, une jetée entre le bois des murmures et le lac de Sid. J'ai laissé le petit cadeau près de cette zone. Sur une petite plage. On va essayer de trouver la petite plage entre la jetée. Et alors, il y a Mio devant mon écran, alors je fais de mon mieux. Ah, ça doit être cette petite plage-là. Ok, let's go. Et après, on retournera vers la zone de pêche. Je pense qu'il y a moyen de trouver un petit quelque chose. Alors, attendez. Tac, tac, donc par là-bas. Ok, let's go. Ah, juste là, parfait. Tout de suite. C'est mieux. Tu as trouvé le cadeau de Clee. Chouette. Est-ce que ça veut dire que je me suis fait un nouvel ami? La prochaine fois que j'arrive à m'échapper, on ira pêcher ensemble. Ce sera amusant, je te promets. Ah, voilà qui est intéressant. Miaou, miaou, oui, c'est la petite Miou. Je lui prends des croquettes, c'est pour ça que ça fait du bruit.
Des croquettes pour la petite Mignon. Tu me donnes ta patte? Tu me montres comment tu fais? Ah mince, vous voyez pas. Ça, c'est pour toi. Une croquette, une. J'en ai d'autres. Ne t'inquiète pas. N'aie crainte. Ok, donc ensuite, vers la plage directement, c'est tout droit, non? Il me semble que c'est tout droit au bout. Ah non, c'est pas tout droit. Faut aller un petit peu vers la côte, par là-bas. On la voit en plus. Tu leur montres comment tu sautes? Un joli saut. Vous voyez pas, mais c'est un joli saut. Et deux friandises pour la petite Miou. Deux. Bon, j'ai plein de miettes de croquettes sur les mains, mais tout va bien se passer, tout va bien se passer. Allons à la plage. Hop là. Soyons à l'affût de d'autres petits cadeaux. D'autres petites bénédictions. J'ai décidé, je mets 22 gros rochers dans la théière. Pourquoi? Aucune idée, bah let's go. Des Ferrero Rocher. Let's go. Vous m'avez eu. Oui, un cadeau. Ah, j'avais pas vu la forme qu'ils ont sur la map. C'est un tonneau. Trop choupi. Ah, c'est Bennett. Merci d'avoir trouvé le cadeau que j'ai laissé ici. Résoudre des énigmes, éviter les pièges, relever des défis, collecter de précieuses récompenses. Ce sont mes activités préférées. Une telle occasion ne se représente pas souvent. Oui, tiens ma puce. Je l'ai fait sauter. Non, mais il en faut peu pour être heureux. Hein. Ça m'amuse beaucoup. J'ai caché le cadeau dans la nature et préparé quelques petits défis. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop compliqué. Ce trésor est à vous. Bonne chance pour vos futures aventures. Merci. J'ai pas lu les indices suivants, zut. Les petits indices. Alors, tu t'allonges ma puce? Je sais que tu sais faire. Montre-nous comment tu sais bien faire. Montre-nous. Les autres indices, s'il vous plaît. On veut d'autres indices, détails de l'événement. Tac, tac, tac. Bénédiction féconde. Il nous en manque un, c'est celui que j'arrive pas à trouver. Ouais, celui de Fichol. Je vous ai accordé une bénédiction dans le trésor d'un mage gardien de livres. Bon, si vous avez des indices, hein, n'hésitez pas parce que... je sais pas trop. Je sais pas trop où aller chercher ça. Faut que je trouve un mage gardien, mais... Un mage. Mais bon, je sais pas trop où le trouver. Tu fais un champ de cailloux pour que ça pousse. Let's go. Dans une bibliothèque, vous pensez? Ben, je veux bien aller dans la bibliothèque de Mondstadt, mais pour moi, il semblait logique que c'était sur ce chemin-là. Tu sais, dans la continuité des pots qu'on vient d'aller chercher, tu sais, ils sont à l'extérieur, du coup, je me disais. Mais sinon, je peux aller voir dans la bibliothèque, quoi. Ça parle beaucoup de monture dans la commune Genshin ces temps-ci. Alors, je parle de monture depuis la sortie du jeu. Je suis aussi d'avis, est-ce qu'on ait des montures? Ce serait cool. J'aimerais bien avoir des montures. Tu nous montres comment tu t'allonges? Tiens, ma puce. Mais j'y crois, mais ce serait chouette en vrai d'avoir des bannières de monture. Ce serait trop bien. Pouvoir monter à dos d'un mini Storm, d'un mini Loup du Nord et tout, ce serait incroyable. Pour ceux qui l'ont fait, vous me donnez la réponse de la quête de Fichel. Pour un désert, il est vraiment sympa. Par contre, ça manque de monture. Bah ouais, je comprends bien. Je suis d'accord. Il y a des zones qui sont vraiment longues à parcourir à pied, où il n'y a pas grand chose et tout. Je suis d'accord, c'est long. Tu nous remontres? Tu t'allonges? Coucou Didu, comment ça va? Bah je vais essayer la bibliothèque, hein. Tant qu'à faire, on va voir. Hein. On sait jamais. Comment tu vas Didu? T'en veux encore? Bah moi je veux que tu t'allonges. Vas-y. Garde, j'en ai une là. Elle attend que toi. Tu me montres comment tu fais pour t'allonger? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu sais ce que c'est? Tu t'allonges? Tu nous montres? Tu t'allonges? Non. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu t'allonges? Je t'ai demandé quelque chose. Si tu le fais, je te donne la récompense. Oui, vas-y. Encore? Tu t'allonges? C'est plus que ça, s'allonger. Hein. T'étais pas loin. C'est pas ici, c'est dans l'ordre de Favonius, sa bibliothèque. Je
Je me suis trompée. Il faut s'allonger, ma puce. Si tu t'allonges, je te donne. Tu t'allonges? Tu sais ce que c'est, Mio? Fais pas genre, tu connais pas. Tu as très bien compris tout à l'heure. Elle fait genre, elle fait genre. Tu montres comment tu fais? Tu t'allonges? Tu. Non, il faut s'allonger. Si tu t'allonges, je te donne. C'est non. Non, si tu m'attaques, t'as plus de récompense, c'est fini. Tant pis pour toi. Plus de friandises, c'est fini. Tu mérites pas. Vous aviez raison, bravo. Bravo, bravo. Vous qui êtes béni par l'attention divine, vous qui avez la foi. Et dont le cœur est assoiffé de savoir, parcourez à votre guise ce trésor de connaissances sans fin. Ici, dans ces salles qui relient votre royaume à l'empire de la nuit éternelle, se trouve un paradis dans lequel votre princesse trouve le repos. Ne soyez pas pressé de demander une audience royale, car ce n'est qu'après avoir assisté à l'ascension, à la chute d'innombrables mondes, et d'avoir dévoilé la vérité cachée derrière d'innombrables phénomènes, que se matérialisera devant vous l'escalier qui mène jusqu'aux hauteurs suprêmes de la cité impériale. Ok, let's go. Hop là, coucou Artichaut, comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui. 25%, on n'a pas fini. Aïe, 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 aïe. Ça va le faire, il reste 17 jours. Il reste 17 jours. Il aurait fallu que vous soyez à 225 000. J'avoue, j'avoue. Mais ça va le faire, ça va le faire, on y croit. Alors, on a fait tout ça. Quand le contre-coup arrive. Commencez par vous présenter à la porte du meilleur chasseur de Doclair. Dirigez-vous vers les falaises du sud. J'ai caché le cadeau sur le flanc d'une montagne. Si vous arrivez à le trouver, il est à vous. C'est quelque chose de très amusant, vous allez voir. Bah, let's go, c'est parti. Meilleur chasseur de Doclair. Dirigez-vous vers les falaises du sud. Le meilleur chasseur de Doclair, je sais plus où il est. Certains iront chercher dans tout le sud. Ce cadeau, mon ami, se trouve tout simplement près du départ. Super. Au-dessus de la cascade dans la zone environnant Doclair. On ira vers... Allons vers Doclair, du coup. Allons vers Doclair. Il y a Mio devant mon écran, c'est pour ça que je galère. Mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. La cascade en haut de Doclair, donc par là, éventuellement. Dès le départ, ça m'embête. Ah bah super, coucou la cafetière, trouver grand-mère café, c'est plus mignon. C'est dans une bibliothèque. Oui, bravo, Etsoya, bien vu. Bien vu, bien vu. C'était logique, finalement. Finalement, c'était là-haut la cascade. On va faire apparaître des mobs de ce cercle de carottes. Même pas, on les a déjà battus peut-être. Près de la cascade. Let's go. Ah, je vais peut-être vous mettre une petite cam sur Mio, tiens. Elle reste pas longtemps, mais le temps qu'elle reste encore. Il y a peut-être moyen d'avoir une petite cam sur elle. Ça se tente, moi je dis. Attendez, attendez. Me voilà, me voilà. La petite cam mignon. Faudrait-il qu'elle veuille bien fonctionner? Visiblement, elle n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Bon bah, ce sera pas... Il n'y aura pas de cam mignon, finalement. Finalement, bonjour à vous, vous qui êtes la personne la plus brave, la plus forte du monde. J'appelle Pépé, ce panier d'abondance, c'est Monsieur Draft qui l'a posé ici pour moi. Je ne suis pas encore capable d'aller aussi haut, mais je m'entraîne tous les jours. Bientôt, je deviendrai le meilleur chasseur du monde. La prochaine fois, je pourrai aller placer mon cadeau moi-même. Je n'en doute pas. Tu vois votre odorat. Le cadeau se trouve à côté du seul endroit de Doclair, d'où s'échappe une odeur de viande. Un peu plus en contrebas, donc. Par là-bas, je dirais. Tu savais, ah, tout s'explique, Atouya, tout s'explique. Non, non, non. Non, 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 non. Tout-tout. Ta-tout, da-da-dum.
peu plus en contrebas alors. J'aurais bien dit par là, mais ça doit être plus en contrebas. Coucou Mapel, comment ça va? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah, là-haut. Let's go. Après être descendu tout en bas, on n'a plus qu'à remonter. Comment s'est passée votre semaine? Vous me racontez? Votre petite semaine, votre journée? Racontez-moi tout. Faites-nous rêver, faites-nous rêver. Je fais mes ciné dans la vie, GG. Dire que j'étais en train de me préparer à aller prendre mon gâteau, mon cadeau. Vous êtes plutôt doué. Ces carillons sont à vous. N'oubliez pas une chose. L'alcool est à consommer avec modération, même lors du Wenlefest. Sinon, ces carillons sonneront. Et je les entendrai. Ne sous-estimez pas Louis Katzlen. Si je les entends, je ne vous épargnerai pas. Quand est-ce qu'ils vont enfin changer le nom de cette fête en festival des récoltes? Ou en fête des fruits? Yay. Elle est trop chou. J'ai passé un panier de fleurs à la maison située au sud du domaine de l'horreur. J'espère que vous pourrez partager ma joie, mais j'ai déjà fait ça, non? C'est moi vérifier au sud, on a déjà fait la maison au sud. Alors, tac, 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 détail de l'événement. Bénédiction féconde. Bah, ça doit être dans le coin, mais situé ailleurs, j'imagine. Continuons de fouiller dans les environs alors. La maison tout au sud, donc celle qui est là-bas, je dirais. On vient d'y aller, on n'a rien vu pourtant. Pourtant, c'est elle, la maison au sud du domaine de Doclair. Est-ce que. Ah, c'était peut-être le domaine de l'Aurore? On va relire, on va relire. Tu viens? Miaule, miaule. Ta-ta-ta-ta. Tu viens, ma puce? Tu viens, mon cœur? Ta-ta-ta. Près du départ, j'imagine que c'est au festival, à côté du festival. Côté sur une droite de Claire qui sent la viande. On va redescendre un peu alors au niveau du festival. On va remonter. Ta, ta, ta. Bon, il y a mieux devant mon écran, je fais de mon mieux. Par là-bas. Je pense que c'est ça le départ. Merci à tous pour votre participation au défi communautaire pour le live 12h. Ta, 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 ta. Près du point de départ, pour moi le point de départ c'est par là. Hein. Peut-être je me fourvoie. Très très chouette, j'adore. Non, non, non. Oh, oui. Ça doit être lui. Attendez, attendez. Laissez-moi le prendre, lire le message, ouvrir le coffre. J'imagine que trouver ce cadeau ne vous a pas posé de difficultés. Rassurez-vous, il n'y a aucun piège. Pour moi, ça me fait gagner du temps pour boire du vin au festival. Pour vous, ça vous évite de courir partout. On peut donc dire qu'on est tous les deux gagnants. Bien sûr, si vous souhaitez déguster quelques bons vins, je serais ravie de vous offrir un verre. Tintintin. Ok. Une maison qui sent la viande, je crois qu'il y en a une juste dessus. On avait cuisiné de la viande par là. Tac, tac, tac. Enfin, un endroit où ça sent la viande, je dirais. Dans ce coin là-bas. Alors attendez, il y a le chasseur. Ou c'est peut-être à droite sinon. Si, c'est là. Exactement. Tout à fait. On ne peut pas passer une bonne fête seulement avec du jus de fruits et du vin. C'est pourquoi je vous ai laissé un bon steak que j'ai préparé moi-même, en plus des petits cadeaux habituels. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai utilisé les viandes les plus fraîches et apporté le plus grand soin à la préparation de ce que l'on peut parfaitement appeler le meilleur mets de tout mon stade. Pour couronner le tout, j'ai aussi mis le meilleur vin du festival. Vous me remercierez quand vous goûterez tout ça. Joyeuse fête! Trop bien! J'adore. Et là-haut, il y a le chasseur. On rejoint le chasseur, il y a un coffre vers le chasseur. Également. Donc le chasseur. Est-ce que c'est autour de lui ou c'est plus loin?
On va relire le petit indice. On va relire le petit indice. Alors. Donc tout ça en est good, ça aussi, ici. J'ai laissé un cadeau à l'origine de Mondstadt, ok. Se trouve avant le vêtement intérieur d'une tente d'aventurier rouge. Se trouve près de l'entrée principale du domaine de l'aurore. J'ai déposé mon panier de fleurs à la maison située au sud du domaine de l'aurore. J'espère pouvoir vous partager ma joie. Ah bah allons au domaine de l'aurore alors. Là on est au domaine de Doclair. Bah celui à côté du chasseur, j'ai dû le louper alors. Je l'ai dû peut-être déjà le prendre. Allons par là-bas. J'aurais pu la suivre, du rack à finish, si vous avez plus d'un million de points. Dudu, je crois qu'il les a, ouais. Caféine, elle doit pas être loin, mais elle les dépense de temps en temps, donc elle les a moins. Bon bouddhisme, let's go. Tu les as pas, ouais, je pensais. La maison la plus au sud, donc par là-bas, je dirais. T'as 162K, t'es pas loin. C'est parce que tu les dépenses aussi, tu les dépenses pour des karaokés et tout et tout. Je sais, je sais. La maison la plus au sud, je pense que c'est... elle. Peut-être l'autre. Ah oui, elle. Nickel. Let's go. Louis soit le Seigneur Barbatos sous sa bénédiction. La récolte a été abondante et mon fils Guy s'est vu confier la responsabilité de superviser minutieusement le Wendlefest. C'est mignon tout plein. Trop bien. Près de l'entrée principale du domaine de l'aurore. Allons à l'entrée principale du domaine de l'aurore. Donc ça doit être l'entrée principale. Donc le cadeau doit être dans le coin. Est-ce que c'est l'entrée principale? C'est peut-être pas l'entrée principale ça. Bon, j'en profite, on est là. J'aurais tort de pas en profiter. L'entrée principale est par là plutôt. Là il y a un chemin. Là-bas. En tant que vigneron du domaine de l'aurore, je me sens si fière quand je vois les vins fins que j'ai produits moi-même se faire charger. Dans des chariots, être expédié partout en Taïva. Si vous le voulez bien, je vous donne rendez-vous au stand du cadeau de l'ange de la foire vinicole pour essayer nos boissons non alcoolisées exclusives du festival. Connor, vigneron expérimenté du domaine de l'aurore. Trop bien. Voilà pour nos beaux yeux. Il nous en reste un ou deux, je crois, encore. Hein. Il nous en reste encore un ou deux, il nous en reste deux. À l'origine de Mondstadt, avant levé à l'intérieur d'une tente d'aventurier rouge, avant levé. Let's go. Attendez, j'ai vu un papillon de lumière. Ouh, le papillon de lumière. Oui, le papillon de lumière. Ouh, le papillon de lumière. Allons avant levé. Cherchons une tente d'aventurier rouge. Par là-bas. Ça, c'est pas la tente des aventuriers, donc ça devait être à l'origine de Mondstadt. Pleinement conscience que ni la paix ni la récolte n'ont été facilement gagnées. Ce n'est qu'en allant de l'avant que nous pourrons nous souvenir de ceux qui nous ont précédés. Amis inconnus, je vous demande, si vous le voulez bien, de lever votre verre à l'honneur du vin, de porter un toast à Mondstadt, à sa résistance d'hier et à sa liberté d'aujourd'hui. Dean, trop bien. Et le petit dernier, du coup, dans une tente avant levée. Donc cherchons une tente rouge. Plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière, une tente rouge. Là-bas, c'est un buisson. Là, une tente rouge. Oui, juste à côté, on le voit en plus. Let's go. Sinon, Dura aurait fait le défi seul. Ben non, mais c'est surtout que... mince, j'ai pas eu le temps de lire. C'est un défi communautaire. L'idée, c'est que... Enfin, malheureusement, vous êtes limité à... Malheureusement et heureusement. C'est pas moi qui ai choisi cette Twitch. Vous êtes limité à 2000 maxi par jour. 2000 points de chaîne maxi par jour. Pour que tout le monde participe, en fait. Et voilà pour nos beaux yeux, plein de récompenses. J'ai pas lu le petit dernier, du coup ça devait être lui. Dans le passé, j'allais souvent camper avec mon ami. Regarder les étoiles, on parlait de nos rêves. Quand je regarde le vin à l'intérieur de mon verre, je ne peux m'empêcher de repenser à ces moments merveilleux. Je continuerai à me battre pour mes rêves. Tu me manques, Stanley.
Oh, c'est mignon. Parfait. Du coup, on a toutes les décos de la boutique. On va aller à la boutique pour faire la déco. Et ensuite, il nous restera juste le petit event de défi. On ira taper des monstres et ce sera fini. On aura tout fait. On aura terminé l'event tranquillou. Avec le défi en ce moment, ça a baissé. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hop là, tout vert. Non, j'aime bien en bleu. Ça me plaît bien. Ah, on peut mettre du pain également. Ah, ça j'aime bien. Ça me fait rêver. Ici, on peut choisir d'autres accessoires. Ah, j'aime bien aussi fleuriste. Fleuriste. Ici, je pense qu'on va garder. Ouais, on va garder les guirlandes, je les aime vraiment bien. Et là, on va mettre une jolie cloche. Nickel. Trop mignon, j'adore. Une trop jolie stand. D'une beauté. Hop là. Nickel, on récupère notre petite récompense. Normalement, on est good, on a tout. Il nous manque juste le petit, la dernière étape ici. Hop là, parfait, on récupère tout ça. Est-ce qu'on a une boutique ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas de boutique? Ok, c'était juste pour récupérer les petites récompenses qu'il y avait là-dedans. Très bien, très bien. Nickel. Qu'est-ce que vous pensez de cet event? Dites-moi les loups, vous avez kiffé ou pas?